Bonjour à tous, merci d'être là pour regarder cette nouvelle présentation. Aujourd'hui, je vous présente du coup un tarot. Je suis tombée dessus au Furet du Nord ce week-end et j'ai craqué dessus. Ça faisait un moment qu'il m'attirait, mais je l'avais jamais pris et là, il était là, donc il fallait que je le prenne. Il m'a attirée. Vraiment, animal totem, ça me parle énormément. Et c'est vrai que chaque animal a une signification quand même très importante. Et c'est très intéressant. Franchement, c'est très intéressant. Donc, je vais vous le présenter aujourd'hui. J'espère que vous allez tous bien. Mettez-vous à l'aise. C'est parti, on va regarder un petit peu le coffret du tarot, l'animal totem de Lisa Robertson. J'espère que ça se prononce comme ça. Illustration de Eugène Smith. Donc, ça, c'est le coffret. Donc, c'est quand même dans une très grande boîte, comme vous pouvez le voir. Assez épais. Je l'ai payé 30 euros, 29,90. Hein. Je vais vous lire un petit peu ce qu'on nous dit derrière. Laissez-vous guider grâce au message secret des animaux totems. Les animaux totems sont de puissants alliés et de précieux guides pour celles et ceux qui veulent entrer en contact avec leur énergie. Planant dans les airs ou nageant dans les eaux troubles, rampant sur terre ou guettant silencieusement dans l'ombre, tous les animaux offrent leur intuition et le son spirituel pour vous aider au long de votre chemin de vie. Relié à la puissance du tarot classique, empreint de grâce et de beauté sauvage, il possède une sagesse instinctive qui s'exprimera pour vous révéler toute la puissance divinatoire de ses arcanes. Donc on est sur un tarot, donc 78 arcanes, 22 majeurs et 56 mineurs. Donc voilà pour le petit coffret. Je vais vous le poser. On va éteindre la petite bougie et je vais vous le poser juste là pour que vous puissiez le voir. Vous avez un livre hyper épais en français, donc juste topissime. Hein, pour une fois que ce n'est pas en anglais. Et voilà quoi. Donc vous avez à chaque fois l'image de la carte. Vous avez une petite citation. Vous avez un petit texte explicatif. Vous avez tout ce qui est au niveau professionnel, sentimental, santé, question de la carte du jour. Si vous tirez une carte du jour, il y a des questions qui sont appropriées à cette carte-là. Donc voilà un petit peu comment procède ce livre. Vous avez pas mal d'exemples de tirage au tout début. Il est assez complet, hein, vraiment très bien fait. Très bien fait. Je ne sais pas si vous l'avez, vous, si vous en avez déjà entendu parler, mais je suis très contente et je suis pressée d'un peu lire tout ça. Ça m'intéresse vraiment de savoir les significations des animaux totems. J'ai acheté 2-3 oracles encore, mais c'est vrai que je ne m'y suis pas trop encore penchée. Mais ça va venir. Donc je vais vous présenter du coup toutes les cartes. Il y a un petit pochon satin, on va dire, en doré. Donc très sympa pour mettre vos cartes. Et du coup là, vous avez les cartes. Donc c'est une tranche dorée. Donc très sympa. Donc format du tarot classique, hein, 12 cm sur 7 cm. Et voici le dos des cartes. Donc, très sympa. Il y a des petits animaux, vous voyez, qui tournent et des petites fleurs. Donc c'est parti, on va regarder un petit peu toutes les cartes. Je vais faire attention à la lumière. On y va. Donc la première carte, vous avez la carte du fou avec une petite sauterelle. Donc là, vous avez la carte qu'on retrouve juste à côté en couverture, le magicien. La grande prêtresse, l'impératrice, ça me gêne un peu la lumière, ça fait des reflets, si je le mets comme ça va pas être top. Donc là, l'impératrice, l'empereur par un gorille.
le Hiérophant. Très jolie carte. Les amoureux. Le chariot. On a la carte ici de la force. L'ermite. La roue de fortune. La justice. Le pendu. La fourmi. Donc je suis très 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 pressée de connaître les significations de tous ces animaux. Franchement, c'est super intéressant. La mort. Ouais, ça va être super intéressant d'apprendre plein de choses sur ces animaux. La tempérance. Je sais pas si vous voyez bien en fait les cartes là. Peut-être qu'il faut que je m'approche de plus près. On a ici le diable. La tour. J'ai l'impression que c'est flou. Attendez, si j'enlève ça, vous voyez mieux ou pas? Tac. Donc là, avec la petite perle dans le coquillage, on a l'étoile, la lune, le soleil, le jugement, le monde, l'as de bâton, une petite libellule. Le 2 de bâton avec la petite raie. 3 de bâton. Le 4. Le 5. Le 6 avec l'abeille. Le 7. Le 8 de bâton. J'aime bien cette carte là. Le 9 de bâton. Et le 10 de bâton. Ensuite, on va voir les figures. On a le valet. Le cavalier. La reine avec la lionne. Ça, c'est ma carte. C'est ma carte. Vous verrez dans souvent mes oracles, il y a une carte qui est écrit lionne en fait. Déjà, mon premier oracle s'appelle lionne. Il est juste là. Celui que j'ai créé avec Manuela, l'oracle lionne. Et voilà, dans l'oracle de l'eau, vous le trouvez aussi. Bien souvent, vous allez le trouver. Roi de bâton. Alors ensuite, ça va être la série des coupes, avec l'as de coupe ici. On a le 2 de coupe, avec les coraux, tout ça, Bernard l'ermite. On va avoir ici le 3 de coupe. Le 4 de coupe. Le 5 de coupe, le 6, le 7 de coupe, le 8 de coupe, le 9, le 10. Je sens qu'il va avoir vraiment beaucoup de choses à nous dire ce tarot-là. Hein, parce qu'en plus des significations du tarot, on a un supplément avec les animaux. Et ouais, j'ai vraiment hâte. Le valet de coupe. Va falloir que je trouve du temps pour lire tout ça. Hein. Mon Dieu, j'arrête pas. Entre les créations d'oracle, le boulot, la journée, les enfants, le cavalier. Il me faudrait des journées de, je sais pas, 50 heures, moi.
la reine de coupe et le roi de coupe. Donc ça, c'était pour la série des coupes. Maintenant, on va voir la série des épées. Ici, on a l'as d'épée avec le panda. On a le 2 d'épée. Le 3 d'épée. C'est trop triste ça. On a le 4 d'épée ici. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Et le 10. Ensuite, on a le valet. Le cavalier. La reine. Et le roi d'épée. Et on attaque la dernière série, la série des deniers. On a l'as, le 2, le 3, j'aime beaucoup cette carte-là, le 4. C'est vraiment bien pensé, hein. On a le 5. Le 6. 7. Le 8. Le 9. Le 10. On a le valet, le cavalier denier, on a la reine de denier et on a le roi de denier. Donc voilà un petit peu, vous avez pu voir comme ça toutes les cartes de ce magnifique tarot, le tarot de l'animal totem. Donc vraiment un très très beau tarot que j'ai hâte de découvrir. Voilà, il va falloir que je m'y mette à lire tout ça, le gros gros livre. Mais ça va le faire, on va y arriver. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Merci d'être là, de me suivre, de m'encourager. Je vous fais des gros 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 bisous. Je vous aime tous. Bye bye.